Alors, bonjour ou bonsoir. Mon nom est Jonathan Drapeau. Vous écoutez le Wrestle Rock Podcast. Je suis avec mon co-animateur Benoît Lafarrière et Ken Astradamène. Comment ça va, Ben? Ah, re-salut, Ça va très bien. Yes, je suis content d'avoir, euh, d'avoir fait, d'avoir partagé euh, nos connaissances sur Elvis Presley. Oui. Et puis, euh, c'est L'émission 2 sur Elvis Presley et comme on vous l'avait promis, nous, on a un ami en commun euh, qui s'appelle un ami d'enfance qui s'appelle Danny Drouin. Et puis Danny est un collectionneur euh, mordu de Elvis Presley. Et puis on voulait vraiment euh, vous partager euh, sa collection. Danny est un collectionneur depuis qu'il est tout jeune. Et puis, il euh, y a un musée. Et puis, Danny est un des collectionneurs les plus importants au Canada. Euh, pas nécessairement en termes d'items, mais en termes de valeur. Alors euh, on vous laisse sur les images de Danny qui nous présente son musée qui est tout simplement fabuleux. Alors profitez-en. Restez à l'écoute, vous ne le regretterez pas. Bonsoir, bienvenue à Razor Rock Podcast. Je suis Danny Drouin, un collectionneur de plus de 25 collections différentes de Québec, de la ville même. Alors, ce matin, mon ami d'enfance, Jonathan Drapeau, me demandait de si je voulais faire un podcast à propos de ma passion euh, incroyable, à propos de Elvis Presley et de ma collection et tout ça. Ben oui! C'est clair que je l'ai accepté. Alors, ben, me voici. Euh, je collectionne Elvis à faute de six ans. Juste six ans. Et je vais avoir 40 ans cette année. Euh... Dans le fond, euh, j'ai toujours collectionné. Depuis l'âge de 7 ans, je collectionne. Euh, j'ai commencé par Batman, après ça, la musique, les films, puis les films à 17 ans, puis blablabla. Bla, bla. Après ça, j'ai vendu ma collection de Batman. Là, j'ai capoté ces chars, puis là, ben. je capote encore ces chars. Mais, fait que je me suis acheté un char antique avec ça, les restaurer, mais je me suis mis dans la marde. Mais c'est pas grave. On apprend nos erreurs, puis on apprend aussi qu'est-ce qu'on veut collectionner à travers notre passion de collectionneur, à un moment donné, on se statue à quelque chose, puis on se dit bon, that's the way I'm gonna do. So, <laughs> à propos d'Elvis Presley, euh, ça a commencé dans ma vie. J'avais quoi, l'âge de sept ans que mon beau-père Gérard Vachon est arrivé dans ma vie. Euh, il est arrivé avec euh, pour son premier rendez-vous de se présenter à moi puis ma sœur, tu sais. Il est avec une, deux cassettes vidéo. La première, c'était Visiter la maison d'Elvis Presley par Priscilla Presley en 1987, que ce VHS-là avait été fait. Bon. Fait que, comment introduire comme faux une légende par son beau-papa quand t'as 7 ans puis que tu connais pas Elvis? Bon, ben, il a commencé avec la maison. Et voilà. <laughs> fait que... Euh, j'ai visité la maison dans... <laughs> sur qu'à cette vidéo, j'ai jamais été en voyage, j'ai jamais voyagé de ma vie. Euh, je pourrais pas non plus, je pense pas non plus. Euh, fin, conditions physiques. Fait que tout ça pour vous dire que euh, dans le fond, on rendez aux deuxièmes vidéos. C'est un petit gars de 7 ans, on s'est encore les tout de la maison. Là Il nous met Comeback 68. Oui, monsieur, Comeback 68. Cette assiette-là. Puis, euh, le premier élément tu sais. qui m'a allumé. Là, tu sais, hein. Puis, en mettant cette VHS-là, tu sais, il y avait amené quelques petits items, d'Elvis, tout ça. Puis, cette assiette-là était là. Pourquoi il y a amené ça? Je <laughs> Fait que, l'assiette m'a allumé. Tu sais, C'est genre, okay, le gars est en cuir. Il bûche, donc ben, il flash. Il mais la VHS, première tourne, pouf! Coup de foot. coup de foot total. Mais un coup de foot de. Euh, de petits gars. tu sais pas de, de de personnes qui est conscient de qui est encore Elvis Presley et que représente t il pour euh, des millions de personnes parce que on va se dire tout de suite Elvis Presley et Batman c'est les deux collections au monde on peut se stiner longtemps mais on se soutiendra pas longtemps que c'est impossible de dire que tu possèdes tout alors euh, moi c'est pas mon intention de tout posséder parce que c'est pas tout qui m'intéresse. Je suis pas le collectionneur euh, euh, ultra dérangé qui prend toutes les coupures de journaux puis quand il passe en sept jours un, un article de presse-là, ça me le prend? Non. Puis les venilles qui sortent à tous les jours d'Elvis ou de 45 tours ou les bouts de en CD qui sortent à tous les jours, non plus. Ça m'intéresse pas du tout. Ça, j'appelle ça d'exagération. De bon! Moi, je m'en tiens à faire des setups. Et des, avec des objets limités, numérotés. Si c'est pas numéroté, si c'est pas limité, ça risque de vraiment pas m'intéresser. Fait que euh, je me suis limité à ça. Ce qui est pas une grosse limite parce que tabarouette, il y a du stock. Fait que un jour, Gérard et moi, on va jumeler nos collections. Ça va faire le plus gros musée visitable au Canada. Euh, sur le sujet d'Elvis Presley. Mais. Rajouter, en plus, mes 24 autres collections à ça, des Beatles, mes collections de films, euh, mes collections de posters, d'originaux de, de salle de cinéma, tout, est... mais hein, ma collection de Jaws, de King Kong, de Kristen, euh, qui est assez épouvantable aussi parce que j'ai beaucoup de stock par rapport, même Robocop que vous voyez ici. Désolé, le cellulaire veut pas tourner, fait que là, ça me fait des vidéos pas super, puis pour mon premier podcast à vie, je me débrouille comme on dit. Fait que... Tu <laughs> vois, je me débrouille. Fait que nécessairement, quand on va jumeler tout ça ensemble, lui, au-delà de 5445-33 tours différents d'Ervis Presley. Il y a tellement de stock, genre, aussi. C'est effrayant. Et moi, ça se limite pas à cette pièce ici. Mon stock, j'en ai dans quatre autres pièces. Les deux salons, puis même... Notre chambre à coucher à hein, ma femme puis moi ben c'est la collection des Beatles. Ouais. <laughs> il y a des sept. De fait que ben, il faut une vie à quelque part. <laughs> puis, euh, question de limiter ben moi ouais, je suis pas le meilleur exemple pour limiter mais quand même je euh, je me suis euh, rendu raisonnable avec le temps et raisonné. Bon, fait que euh, c'est ça Elvis. Euh, j'ai pogné la, la grosse chire il y a six ans que j'avais rien. Je n'avais rien. Et euh, en six ans, ben vous voyez pas le médicador que j'ai en grande majorité sont en, dans le salon en haut. Mais j'ai des RIA Authentiques qui en ont juste deux dans le monde. Chez suis chez moi. Tu sais. J'ai on stage. J'ai le Comeback 68. J'ai Revolver des Beatles Authentique RIA. Première édition. C'est c'est des, des, des disques de studio là, hors platine ça c'est mes dadas c'est qu'est-ce que je recherche le plus c'est ce que je veux le plus obtenir dans ma vie c'est ce genre de kind of pieces là. fait que euh, puis comme je vous disais les mémorabilia, les statues et tout ça comme vous avez pu voir dans mes présentoirs mais que je filme très mal fait que fait... désolé encore énormément j'aimerais ça vous donner un meilleur rendu et tout est par thématique euh, dans mon musée. Euh, mettons, vous voyez «Amazing Grace», euh, Elvis était très croyant, très, très, très croyant. fait que c'est une partie de, qui a juste un lien avec ça. Elvis adorait les véhicules, les motos. Fait que Elvis Armateo, tout ce qui est rapport à ça. Elvis on tour, euh, la tournée «Santé que. Tout est par thématique. Blue suede shoes. Tout le stock qui rapport à ça. Est encore là. Elvis in Red, qui est habillé hein, dans les années 50 en rouge. Bon, tout toute la thématique, est là. Et jell Rock. On continue avec jell Rock. On continue avec jell Rock. On continue avec jell Rock. Rock. Puis on finit en, ben oui. Pas besoin de le dire encore. Fait que, tout, tu sais, comme en face de moi, c'est des Cadillac rose, Il y un présentoir juste de tout ça. Fait que, quand je cherche de quoi dans les affaires, ben, je peux facilement trouver. Fait comme ça, à travers 18 000 items que j'ai dans la maison, je peux facilement me retrouver autant dans mes collections de films aussi parce que je les ai répertoriés intelligemment, les Robert De Niro avec les Robert De Niro, pis films d'horreur avec films d'horreur, mais les particularités d'horreur euh, qui font qu'ils soient divisables pour les retrouver plus facilement comme les films d'exorcisage. Non, 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 Fait que, ça pour dire que oui, il va y avoir une limite un jour à cette collection-là, mais je la connais pas. Fait que quand ma femme me demande y a il un bout à quelque part Ben. Ouais, il faut mettre de l'argent sur le carport, de cette année. Fait que. Prends un petit stop à quelque part, puis. Euh, C'est ça. On y, on y va comme on peut. Euh, puis j'ai toujours travaillé deux, trois jobs en même temps. Là, je peux plus. On a oublié ça quand on est fini. Mais avant, euh, depuis l'âge de 16 ans, je, puis depuis l'âge de 8 ans, je passais les journaux. Et après ça, à 9 ans, j'avais deux runs. À 10 ans, j'avais trois runs. Puis je me levais à 5 heures le matin. Puis après ça, j'allais à l'école. Fait que tout ce que vous, vous avez le temps de faire, d'aller en vacances, d'aller dans le sud, les pieds dans le sable, j'ai jamais fait ça. J'ai mis tout mon argent, tout mon temps à travailler dans mes chars. Puis... Oui, c'est ça. Genre, on choisit notre vie. Puis yeah. maintenant avec ma vie, je veux la vivre. Mais sauf que j'ai plus, plus de dos pis tout ça, j'ai plus d'épaule. Ça va pas bien. Mais on s'en fout. Euh, le sujet est qu'il n'y a pas de limite à une collection si t'en trouves pas une. Puis quand tu t'en mets une, tu la respecteras pas. Dans son temps que tu la possèdes à ta collection. Fait que l'espace, ça se négocie. Il euh, y a tout le temps quelque chose qui peut arriver pour te faire. Explorer plus loin ou te faire reculer. Moi, par rapport à Elvis, ben je suis capable de m'arrêter. Tu sais, ça fait depuis le 6 mai j'ai n'ai pas acheté de rien d'Elvis. Euh, parce que je trouve pas des choses qui m'intéressent. Il y a plusieurs séries de choses que je voulais obtenir au complet et que j'ai réussi. Alors, euh, rendu à des objectifs tic, 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 tic. Maintenant, tu fais comme, bon, ben, on va se laquer sur elle, cette collection-là. On va aller euh, voir, euh, comme là, juste starté euh, Star Wars, mais juste pour avoir un petit setup, là, cute. Euh, Batman, ben, j'ai un petit setup cute, là, tu sais, j'en traduis un, j'ai trouvé un petit morceau, un autre petit morceau, mais tout par rapport à Keaton. Mais, mais comme je vous disais, 24 collections, ça en fait des collections, fait que. J'ai de quoi m'amuser. J'écoute pas du Elvis à tous les jours en passant. J'écoute plus du métal que d'autres choses. Euh, Elvis, c'est à peu près une fois par semaine, je dirais. Puis je consacre une demi-heure. Puis, that's it. Fait que, ben, les pièces les plus valorisantes que je possède sont en haut, en grande majorité. Fait que, en tel j'ai tellement de pièces qui valent un bras, une jambe un rein, que d'en choisir une ou cinq ou dix en n'ayant pas la bonne caméra dans les mains ça me donne pas grand chose mais vous voyez qu'une passion il y a des limites mais des fois les limites de un n'est pas la limite de l'autre fait que moi ben <laughs> ma limite n'est pas encore atteinte <laughs> fait que ça m'a fait un énorme plaisir de vous présenter comme je pouvais ma, mon musée et une partie. Et euh, en espérant de vous refaire d'autres podcasts hein, de ces quatre. Puis si vous vous êtes intéressé à c'est de trouver des items de collection par rapport au monde du cinéma, des DVD, des blu bourrés, des posters originaux de salles de cinéma. Tout ce qui a rapport au monde du cinéma, euh, j'ai au-dessus de 8000 items à vendre. Vous pouvez m'ajouter sur Facebook, Danny de Rouen ça va me faire un plaisir soit d'évaluer vos items, soit de vous dire euh, tu peux vendre si ça, si, ça à tel prix. Euh, je suis et cyclopédie vivante sur plein de choses, sur les Beatles, sur Elvis. Fait je peux vous aider sur plein, plein, plein de choses. Ça me fait plaisir. Quand j'ai le temps, je le fais. Et euh, puis... Euh, d'upgrader vos collections tout comme les miennes parce que c'est ça collectionner c'est d'être capable de penser à, à l'autre qui pense qui, qui aime les mêmes choses que toi puis d'y en faire profiter de tes connaissances autant que l'accessibilité au stock fait que, euh, d'un droit merci beaucoup puis euh, bonne vidéo alors c'était tout simplement incroyable honnêtement c'est c'était à j'étais c'est plus qu'un club vidéo, c'était ah, un musée. non, honnêtement, c'est un passionné. Little Puis, Graceland. Ouais, il n'y a, a pas juste, tu sais, il, y a, il y en a. Là. Il y a vraiment beaucoup, <laughs> beaucoup de stocks. Puis, tu sais, si jamais vous voulez, euh, vous chercher des artefacts ou euh, des trucs, tu sais, je sais qu'il y a une collection de Beatles. Je sais qu'il y a des collections de tout ce qui a rapport à Ar Arnold Schwarzenegger, Burster Stallone. Euh, il y a un de films, dedans, ou, Il y a. Euh, une des collections les plus importantes de films aussi. Si jamais vous cherchez, vous cherchez des DVD, il y en vend euh, euh, <coughs> sur les médias sociaux. C'est super simple pour pouvoir le rejoindre sur Facebook. Vous cherchez Danny Drouin et puis vous pouvez l'ajouter sur Facebook. puis Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ça va lui faire plaisir de discuter avec vous. Alors, j'espère que et vous euh, allez euh, apprécier. Je, cette je savais il y a un groupe sur Facebook qui est ben, passionnant, avec qui est membre. C'est cinéphiles les collectionneurs de films. Il est là-dedans, je pense. À oui, le... oui, oui tout à, ouais, fait, ouais, tout tout à fait, fait. Vous allez voir là. Il publie beaucoup, il vend des, euh, des posters, euh, tout ça, là, de, de films très, très recherchés si vous cherchez quelque chose, en particulier si vous aimez, exemple, du West Raven, si vous aimez, exemple, euh, Nightmare on M Street, Friday the 13, euh, les films d'horreur. Euh, puis c'est un gars qui a réponse à tout. Tu veux lui poser une question c'est un film, il va te répondre. Ouais, ouais mais... il est très, très, très cultivé, honnêtement. Il aurait puis pu on aller avait... à tous pour un pour le cinéma et pour Elvis. Là. Ouais, honnêtement, ça vaut la peine. Puis ben on vous encourage à aller euh, l'encourager. Puis merci encore une fois, Dany, ouais, pour non. la vidéo. C'est vraiment ouais, super plaît. nice. Euh, voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bye-bye.